Интересно, как детство. Давай. А вы все равно так не держите. Давай, не комментируй. Но людям интересно. Première chose, la forme du corps. Très important, il faut que la colonne soit droite. Les épaules soient détendues. Donc, montez les épaules, vous lâchez. Voilà. La nuque doit être droite et détendue. Parce que si la nuque est contractée, vous voyez, la frappe monte directement dans la tête quand la nuque est contractée, même quand on frappe sur le ventre. Le bas du dos doit être détendu, droit. Sinon, quand vous avez des frappes descendantes, ça va tout dans le bas du dos. Toute la tension va s'accumuler dans le bas du dos si jamais vous êtes contracté. Ça fait des blessures. Les genoux sont très légèrement fléchis. Et les pieds, pas trop loin, pas trop près, juste à la bonne, juste au bon écartement. Si les pieds sont trop proches, on perd l'équilibre très rapidement. Et s'ils sont trop éloignés, on crée des tensions, ça crée des tensions dans le bassin. Dans les cuisses, dans les hanches, comme ça. Donc, au moment de la frappe, on expire. Très important, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on contracte l'endroit qui a été frappé. Cette contraction doit être très courte. C'est juste au moment où vous avez reçu la frappe, très localement. Si on a la tension en permanence, ça fatigue les muscles très vite. Donc c'est un peu. C'est un travail constant en fait, hein. Contracter les tempes, contracter les tempes. C'est clair, ça peut arriver qu'après qu'on reçoive plusieurs frappes l'une après l'autre, une série. C'est un autre sujet, on va y venir aussi. Ça vient avec l'expérience. Comment est-ce qu'on dose la respiration, la tension, la détente, quand on reçoit plusieurs frappes?